C'est pas très large, mais bon, ça fait, il y a de la lumière, c'est cool. J'espère qu'ils sont tous comme ça. Dilemme du soir, plutôt couscous au poulet ou plutôt poulet à la crème ce soir? Du coup ce sera couscous au poulet ouais. Vandakring, Vinututam Mirunum. En gros, c'est un barrage. Là je traverse le barrage, tac. Je prends une espèce de sang qui va de l'autre côté, tac. Je me colle et je redescends de l'autre côté. Bon, comme on peut le voir, il y a zéro sentier. C'est que de la tourbe. J'ai déjà les pieds trempés. Mais on s'en fout, ça va le faire. Olé. Là, il y a deux petites traces. On va essayer de passer par là. Donc voilà, petite présentation de la chambre. Donc là, voilà, salle de couchage, le matelas qui va bien. Bon, c'est le bordel, j'ai pas rangé, vous m'excuserez. Du coup, les chocolats, yeah, les roundis. Voilà, des fruits, de l'eau que j'ai fait bouillir pour pas choper la bruxellose, la cuisine qui est dehors, tac, là ça pleut des seaux. C'est la première journée où il pleut, enfin soirée en tout cas où il pleut. Un petit bouquin pour s'occuper, un petit carnet de voyage pour écrire, un chargeur pour recharger avec le chargeur solaire. Qui a servi hier, mais pas aujourd'hui parce que c'était nuageux. La carte des cartas. Et puis voilà quoi. Donc, il est 8h. J'attends un peu de voir ce que ça donne, mais c'est normalement censé s'arrêter de pleuvoir vers 9-10h quoi. Ha ha ha!
elle sort de nulle part. Ouais, alors sur l'île de Féroé, il y a plus de moutons que d'habitants. 80 000, je crois, sur toute l'île. On a des noirs, des blancs, des roux, des gris. Ils sont là, ils pèsent tranquille. Charmant petit village du bout du monde. Sur la carte, j'ai repéré un sentier là, qui va faire le tour de la montagne. Donc bah, j'espère qu'il va être praticable, qu'il va être au top. Il n'y a pas que du vélo. Hein. Il y a la poussette aussi. Il faut pas un chou là. C'est trop beau. Un petit coup de pression quand même. C'est lent. Là, quand il y a des barres, c'est pas pour les vélos. Hein. Ah, puis si tu tombes, c'est la chute. Si tu chutes, c'est la tombe, là. Ah, excellent. Il se travaille entre la comédie et la gare. Avec son baluchon et sa bouteille de pinard. Il n'a pas de maison où habiter. Il n'a pas d'horaire fixe à respecter. Il va le bon ensemble, ou le mène devant, dans les bras d'une femme ou de sa maman. Il chante l'amour pour gagner quelques pièces. Il chante toujours avec autant d'allégresse. Il chante l'amour pour gagner quelques pièces. Il chante toujours avec autant d'allégresse. Il chante sa liberté, seul être un homme vrai. Seul jamais savoir où il pourrait bien aller. Oh, il chante sa liberté, seul être un homme vrai. Seul jamais savoir où il pourrait bien aller. Il discute très souvent, seul à seul avec Dieu. Et on le prend pour un fou, et un fou heureux. Il se parle de la vie, du beau temps et de la pluie. Il se parle de religion, de guerre et de belles filles. Il disent que rien ne vaut. Ils disent que rien ne vaut. Le sourire d'un enfant. Le sourire d'un enfant. Et qu'on ferait mieux. Et qu'on ferait mieux. De tous en faire autant. De tous en faire autant. Et le cri leur des goûts. Oh, en gros. Ah. Il leur des goûts, mais sans jamais le haine. Il crie sa liberté. Seul l'être un homme vrai. On y voit comme dans le cul d'un mouton, hein. Oh, il crie sa liberté. Seul l'être un homme vrai. Seul jamais savoir qu'il pourrait bien rencontrer. Pas plus que dans le cul d'un mouton, mais j'essaie de faire preuve de patience en me disant que le soleil est pas très loin. Peut-être que si j'attends quelques minutes, ça va s'ouvrir. On verra. Parfois les policiers lui demandent ses papiers. Des papiers qu'il n'a pas, qu'il les a brûlés. Alors il leur explique sa façon de penser. Que lui n'importe pas. Comment Dieu, toujours autant ici. Oh, c'est du terroir féroin. Alors il hurle de plus belle son envie de vivre. Il hurle de plus belle en devenir ivre. Alors il hurle de plus belle son envie de vivre. Il hurle de plus belle en devenir ivre. Il hurle sa liberté, c'est l'être énombré. C'est de ne jamais savoir qu'il pourrait bien rencontrer. Oh, il hurle sa liberté, c'est l'être énombré. C'est de ne jamais soumettre à quelconque autorité.